down. Bon, Phil, t'avais-tu barré les portes? Non, pas barré les portes, mais il était dedans, on est juste à côté, tout le monde voyait le temps, là. Ouais, quand même. Wow, c'est quoi ça? Oh. Hey, on s'est piqué notre char! Allez, ouais, on va faire marcher le reste. Ah, je suis fatigué, moi. Ouais, moi tout, man. Il dit qu'on fait du pouce pour rester dans la ride. C'est une bonne idée, ça. Peut-être qu'on va réussir à trouver quelqu'un qui va nous embarquer. Hey, c'est pas les bains de mon char, ça? Hey, ouais! C'est qu'ils font ici? Je sais pas, moi! Man, le gars doit avoir sorti ça vite pour avoir laissé ça ici, juste là, comme ça. C'est bizarre. Bah oui, oui, bah oui. In the jungle, the mighty jungle, the lion asleep tonight! Ah non! Je kidnappe un gars, il sauve! En plus, je vole le char, puis le char, il me lâche! Je suis où? Je m'appelle comment? Nice! Un autre char! Yark! Hey, je le veux! Yark, c'est dégueulasse! Qu'est-ce que c'est ça? Coudon, tu morphes jaune à cette heure! Voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai volé deux chars aujourd'hui pis les deux me pètent en pleine face! Hey, Simon! Simon! Ah, ah rien, j'ai oublié. Wow, tu vois-tu qu'est-ce que je vois là-bas? Cool! Un char! Si on se dépêche, on pourrait le rattraper par one ride! Encore meilleur que ça! Si on se dépêche, là, on peut le rattraper pour on peut pogner une ride avec! Hey, ça, c'est intelligent! Let's go! Ok. T'as-tu bientôt fini, moi? Non. C'est long.
Oh, va mal. Ah, oh, je savais pas que t'étais aussi fort que ça. Ouais, mais on a fait ça pour rien, man. Il y avait 5 places dans l'auto. Ah ouais? T'es sûr? Ben oui. Ah, ça se peut. Hey, c'était vraiment utile ça. J'en viens pour... Hey! T'es aux toilettes pendant ce temps-là. Je me suis fait voler mon char. Moi, tu me croiras pas. Je me suis fait kidnapper. Puis j'ai réussi à me sauver. Wow! T'es sérieux? C'est une rue de malade ici. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est ça? Comment tu t'appelles, toi? Ben, c'est Daniel, je pense. Toi? Ben moi, mon arrière-arrière-grand-père s'appelait Thérèse. Mon grand-père s'appelait Thérèse. Puis moi, je m'appelle Thérèse. T'es épuisé, là. Ça fait 5 heures qu'on marche, que c'est ça. Ah, ouais. Oh, je pense que je vais m'asseoir. Oui, tout. C'est la route la plus courte que j'ai jamais vue. Ils mettent des bains au milieu de la route. Ouais. Ouais, ouais. Hey, c'est pas les sièges, je m'en vais ça, ça? Ah! C'est mal mon char! Ouais, qu'est-ce que c'est ça? La porte est ouverte! Ah! Ah! Philippe, faut que tu viennes voir! On se fait envahir! J'ai vu une soucoupe volante! Ben oui, une soucoupe volante! Puis moi j'ai vu le Père Noël! Non, non, faut que tu viennes voir, je te dis là! C'est spectaculaire! J'ai vu une soucoupe volante là! Elle est grosse là! Les bonhommes qui ont sorti de là sont plus gros que moi! Ils sont forts pis tout là! Ils ont des antennes sur la tête! Ouais, ouais, je vais venir voir ça, mais d'abord ça t'offre pas plus que 5 minutes, là, je suis fatigué, là, je veux dormir. Vite, Philippe, viens ici! Vite, 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 c'est juste ici! Vite, vite, Phil! Viens-t'en, viens-t'en! C'est ici, là, c'est ici! Qu'est-ce qu'il y a, là? Il y a rien! Oui, oui, c'est juste là, là, check! Ben, il y a rien, c'est un rond noir. Je te dis, c'était là, c'est juste là, là! Je te dis, je tenais pas, c'est pas la même chose. Hey, regarde, 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 le Père Noël! Je te dis, c'était juste là, là. Check, il y a encore des morceaux de soucoupe volante. Check, ça, c'en est un des morceaux. Oh, man! Faut que tu la vois, je te dis, là. Ah, c'était une vraie soucoupe volante, là. Il y avait du monde, pis tout, ça a tout ouvert, là. Boum, d'un coup. Michel, t'avais dit, c'était une grosse soucoupe volante, avec du monde plus gros que toi, avec des antennes qui sortaient de la tête. En fait, qu'est-ce que je vois là, là, c'est un rond, ok, aussi que. Il y aurait une bougie qui aurait pu flamber là. Le soleil, c'est le soleil qui les a fait fondre, ils ont rapetissé, ils se sont désintégrés. C'est pour ça qu'ils sont plus là puis qu'ils ont disparu. Je te le dis, crois-moi! Michel, plus de sucre pour toi, ok? Mange pas avant de te coucher, ok? Moi, je m'en vais me recoucher, tu m'as dérangé.
Phil, je t'ai scanné aujourd'hui. C'est pour savoir si tu es vraiment mon fils. Je te l'ai dit aujourd'hui, Phil, je suis ta mère. Mais comment allez-vous faire pour repartir? Il faut que tu nous mettes dans le four micro-ondes 3 minutes. Avant de passer, est-ce que je peux voir tes yeux? Bien sûr. Wow, t'as de beaux yeux. Michel, t'as pas peur d'eux autres? Non, mais quand j'ai faim, fait qu'on les mange. Cool! Mais oublie pas de me détacher, là. Oh ouais, pas de problème. T'es sûr que ça va être bon? Ah ouais, je suis certain que j'ai faim! Ouais, mais tu sais que t'aimes pas ça de la viande sauvage, pis ça c'est pas de la viande sauvage, ça, c'est de la viande extraterrestre. Ah, j'ai faim. Mike, j'ai rêvé que les toutous sont des vivants. Hey, il m'en manque, hein? Michel, tu sais que Michel, ça fait 15 minutes que j'en ai pas eu, Michel, tu sais. Là, je suis comme, shake, là. Michel, besoin de sucre, s'il te plaît, du sucre, Michel. T'en as-tu, Michel, du sucre? Il reste plus de jus. Michel, tu sais.
C'est ça que je viens de trouver, là, c'est écrit meilleur avant 1874. Je me rappelle, c'était bien sucré, là, mais je doute que ça soit encore bon, là. Mais si c'est pour te sauver la vie, j'imagine que tu peux y goûter, tu sais. Merci, Michel! Merci! Merci, Michel! Zut! Ça répond ça! Zut! Dégueulasse, Michel! Ah! Goûte-y, noir! Tu penses à la recette secrète de ma grand-mère, ça peut pas être mauvais! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est bon! T'es con, c'est dégueulasse! On en donne-tu à Roxane? Donne-moi la bouteille, là, j'ai besoin de sucre, je veux pas la gaspiller, ok? Ah, ça me fait plaisir, amuse-toi! Tu sais que c'est dégueulasse, là, je dois le boire, là, juste. J'en ai besoin. C'est bien pas. Phil, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu correct? Je sais pas. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la jambe, je vois des Daniel Charon partout. Et toi, comment tu files? Moi ça va bien, mais t'as ma voix. C'est pas de ma faute, c'est ton espèce de jus. Quand on boit trop de sucre, c'est ça que ça fait. Ça marche pas ton affaire, toi aussi t'as ma voix. Je me souviens de l'antidote, faut que les deux personnes qui l'ont bu s'embrassent. Une belle voix, finalement.
bienvenue à l'émission des nouvelles découvertes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'homme parfait. D'ici quelques instants, nous allons avoir une interview avec lui. Donc, par cause d'anima, nous allons éviter de l'appeler par son propre nom, Pablo. Alors, Pablo, qu'est-ce qui fait de vous un homme parfait? Oui, je suis un homme parfait parce que je suis romantique, je veux dire. Mes films préférés, c'est tous des films romantiques. J'écoute du Céline Dion, du Garou. Je magasine pendant des heures. J'aime beaucoup les petites chandelles. Oui, j'en ai partout dans la maison. J'adore les petites chandelles. Quatrièmement, ta femme te critique-t-elle face à certains détails dans la maison? Oui, moi, je fais du nettoyage régulièrement à la maison. Je nettoie les planchers deux fois par semaine. J'ai poussé trois fois par semaine. Je fais la vaisselle, je nettoie le chien, je nettoie la litière. La voiture est toujours spick and span. C'est extraordinaire. J'aime ça. Cinquièmement, comment traites-tu ta femme et ta famille? Mais ma famille, tout le monde dit dans ma famille que je les traite bien. J'adore ma belle-mère. Chaque fois qu'on fait une petite visite chez ma belle-mère, je donne tout le temps un petit cadeau, un petit bouquet de fleurs, un petit bol de chocolat, n'importe quoi. Bref, ma femme aussi, je peux te dire que je la traite aux petits oignons. Ma femme, je la comprends même quand elle me parle pas. Puis quand que j'exprime mes émotions, bien, je le fais de façon qu'elle puisse me comprendre. Sixièmement, ta femme peut-elle se fier sur toi? Ma femme peut se fier sur moi. Quand elle est malade, je deviens un excellent docteur qui guérit à peu près tous ses maux. Puis c'est très rare qu'elle tombe en panne, la voiture, mais quand elle tombe en panne, j'arrive toujours, je répare la voiture comme un excellent mécanicien. Aussi, on manque jamais d'argent pour payer les factures. Puis ça, même si je prête la carte de crédit à ma femme pour qu'elle aille le magasiner. Septièmement, est-ce que ta femme cuisine? Je peux dire que ma femme, quand elle cuisine, ça fait des bons repas, mais elle cuisine presque jamais. Je veux dire, je ne veux pas lui laisser ce fardeau-là de la nourriture. C'est difficile de faire des mets santé, calculer les vitamines, les protéines, les calories. C'est bien important de calculer les calories. Et finalement, que conseillerais-tu à un homme imparfait? Bien, c'est simple, c'est soyez propre, ramassez-vous, aimez vos femmes et surtout, enlevez vos souliers avant d'entrer dans la maison. Donc, maintenant, nous allons nous entretenir avec la femme de Pablo, Estelle. Alors, Estelle, comment avez-vous rencontré Pablo? J'ai rencontré Pablo, bien, on était sur le bord de la plage avec mes amies filles, puis là, mes amis ont vu une grenouille. Fait que là, ils m'ont dit de l'embrasser. Fait que là, pour faire la joke, je l'ai embrassé. Puis paf! Pablo est apparu. Oh, cute. Mais maudit que je le regrette. Mais je comprends pas, là. Pourquoi vous dites que vous le regrettez? Il est parfait, après tout. Il m'énerve! Il fait tout dans la maison! Puis jamais je suis là après! En conclusion, l'homme parfait, il était, il est, il sera l'homme qui vous complète. Répète, puis répète, sont allés en bateau. Répète, lâche un pète, tombe à l'eau. Qui reste? Répète. Pète, puis répète, sont allés en bateau. Répète, lâche un pète, tombe à l'eau. Qui reste? Répète. Voici un pied qui bouge, le pied qui bouge. Un petit pied qui marche, un petit pied qui marche, un petit pied qui marche, ça suffit pour s'amuser. Deux petits pieds qui marchent, deux petits pieds qui marchent, deux petits pieds qui marchent. Ça suffit pour s'amuser. Toi, je t'écœurerai.
une belle boîte, finalement. C'est une belle boîte. Vas-y. Non, Phil. Je vois pas, là. Voilà, c'est bon. T'es sûr que ça va être bon? Ah ouais, je suis certain, j'ai faim. Ouais, mais tu sais que t'aimes pas ça de la viande sauvage. Puis ça, c'est pas de la viande sauvage, ça, c'est de la viande extraterrestre. Ah, j'ai faim. Vas-y. Voiture à vendre, pas cher, voiture à vendre. Ah, écoute, pour vous autres, là, je fais un prix spécial, 200$. Wow, c'est pas cher ça, c'est un bon deal, c'est une quoi? Dodge Spirit 92. Hey, exactement comme la tienne. Hey, moi, je dis qu'on la jette. Ok. Oh, laisse-moi ça, là. Let's go, c'était une bonne deal, les gars, ça m'a fait plaisir. Ah, ouais. Je vous souhaite une bonne journée, salut les clés. Bye. Je t'aime. Bisous. Qu'est-ce bon, on va régler ça en bateau avec Tom. Ok. Roche, papier, ciseaux. Qu'est-ce qu'il y a? Mes souliers sont détachés. Ok. T'as-tu bientôt fini, là? Non. C'est long. Je vais te battre, là. Je vais te mettre une rentrée. Je vais te faire une face en sang pour que tu te quittes. Une minute, là, pour que ça arrive encore. Ok, ouais, t'as bien. C'est long. J'étais en train de faire mon pipi, puis. Non, pas de sens, j'étais aux toilettes, puis. Pendant ce temps-là, je me suis fait voler mon char. Moi, là, j'en reviens pas. J'ai russe. Je me suis fait qu'il me n'a pas de sens. Hey, en passant, c'est quoi ton nom? Ben, c'est Daniel. Je pense. Pis toi? Oui, c'est simple, là. Tu commences par A, boum, tchikalakalaka, poum, pa. C'est simple, me semble, je veux dire. Moi, dans mon pays, tout le monde s'appelle comme ça. Comment tu t'appelles, toi? Ben, moi, c'est Daniel, je pense. Puis toi? Oui, c'est simple, c'est... Go. Ah, il est minuit moins 85, je commence à être fatigué. Fait que je pense que je vais y aller, là. Non, tu peux pas y aller. T'as plus trop de sucre, tu vas passer la ballonne.